Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du bilan radiatif de la Terre, c'est-à-dire de l'échange de flux d'énergie entre le Soleil et les différents constituants terrestres. Donc en effet, je trouve que c'est pas vraiment facile de s'y retrouver. On a beaucoup de chiffres et on a parfois des différences notables entre les modèles présentés sur Internet. Et donc j'ai donc décidé de simplifier les choses en trouvant un équilibre entre garder la complexité du phénomène et en mettant ensemble des flux qui peuvent être groupés sans toutefois saper la compréhension. L'idée, c'est de mettre en place les différents éléments pour bien comprendre aussi les changements climatiques avec toute l'implication des gaz à effet de serre, etc. Allez, on y va sans plus attendre. Donc voilà, comme je le disais, vous pouvez voir sur cette très belle image que quand on doit considérer tous les flux d'énergie entre les différents constitutifs de la Terre, eh bien, ça se complique très rapidement. Les flux d'énergie doivent être considérés entre l'espace, l'atmosphère, les nuages, la surface terrestre et inclure beaucoup de paramètres précis comme la chaleur latente et la chaleur sensible, par exemple. Donc, malgré que ce graphique est vraiment fantastique, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil au site internet climat-en-schéma.fr qui est vraiment super, mais je trouve que son interprétation est très difficile. On ne sait pas par où commencer, c'est au final très compliqué. Et mes élèves ont du mal à arriver à le retenir. Donc, on y reviendra sur ce graphique un peu plus tard, mais commençons donc par le commencement. Et donc, la grande question de cette vidéo est tout simplement, d'où provient l'énergie reçue dans l'atmosphère terrestre? D'où provient la chaleur que vous ressentez sur Terre? Alors, il faut savoir qu'environ 100% de l'énergie contenue dans l'atmosphère, donc la chaleur que l'on ressent sur Terre, provient du Soleil. En effet, seul 0,01% de cette énergie provient de la Terre elle-même, ou de ce qu'on appelle la géothermie. Et donc le Soleil, grâce à sa très haute température, va nous envoyer tout un paquet de photons, ces photons étant des particules élémentaires qui ont une certaine fréquence de vibration, c'est-à-dire qu'ils ne vibrent pas tous à la même fréquence, ni à la même vitesse. Les différentes couleurs d'ailleurs que vous voyez sont des photons ayant des fréquences sensiblement différentes. Et plus la fréquence de vibration est élevée, plus celui-ci est énervé en gros, plus l'énergie qui sera transportée par celui-ci sera importante. Donc on a bien une relation de proportionnalité ici entre la vitesse, la fréquence de vibration du photon et l'énergie que celui-ci va transporter à travers l'espace. Et quand ces photons vont entrer en contact avec la matière, comme par exemple une molécule d'oxygène dans l'atmosphère terrestre, eh bien cette énergie va être transférée, transformée, une partie de celle-ci va être remise sous forme de chaleur ou d'infrarouge thermique. Alors, cette interaction, ce dégagement de chaleur, si vous préférez, dépend de la nature de la matière elle-même. C'est très facile à comprendre, car si vous mettez un objet de couleur noire au soleil, eh bien, la température de surface de celui-ci va progressivement augmenter, alors qu'un objet de couleur blanche, eh bien, va garder une température de surface beaucoup plus basse, car il va réfléchir beaucoup plus les photons dans toutes les directions. Et donc le Soleil, avec sa température de surface, environ 5500 degrés Celsius, va nous envoyer plein de photons différents, transportant plein de quantités d'énergie différentes. Alors très rapidement, donc si on met un capteur d'énergie au sommet de l'atmosphère, on peut effectivement mesurer que le Soleil va nous envoyer de l'énergie à différentes fréquences, qui correspond à un corps noir théorique, voilà, d'environ 5500 degrés Celsius. Mais ça, c'est pas le plus important. Sur ce graphique, les fréquences les plus grandes sont à gauche, sur l'axe des X, et les fréquences les plus faibles, les photons en gros transportant moins d'énergie, sont à droite, sur l'axe X. L'axe Y, lui, donc là ici c'est l'intensité lumineuse sur l'axe des abscisses, eh bien, peut être interprétée simplement comme le nombre de photons reçus à ces différentes fréquences. Donc si maintenant on met ce capteur à la surface du sol, à environ 1,5 atmosphères, eh bien, on va voir que la courbe mesurée est bien différente. On voit en noir que le nombre de photons reçus est beaucoup plus bas, que le maximum s'est déplacé un peu vers la droite et qu'il y a des trous qui apparaissent au-delà de 1000 nanomètres. Et donc la différence entre la courbe orange et la courbe noire nous montre tout simplement comment l'atmosphère terrestre va filtrer les photons qui nous viennent du Soleil, grâce à la vapeur d'eau, le CO2, l'ozone, l'oxygène, le méthane, etc. Et donc en effet, la matière qui constitue notre atmosphère va entrer en relation avec certains photons, et donc leur énergie va être transférée directement à l'atmosphère. Autrement dit, en fonction de la composition de notre atmosphère, plus spécifiquement dans certaines couches de l'atmosphère, comme la couche d'ozone, eh bien ça va piéger certains photons et les transformer en partie en chaleur. Bon, c'est très simplifié, mais globalement, c'est à peu près ça. Sur le spectre qui apparaît maintenant, ici, on voit clairement qu'à la surface du sol, eh bien en fait, le soleil nous envoie un peu d'ultraviolet.
c'est pour ça que vous bronzez. Une grosse partie de photons dans la gamme du visible, c'est pour ça que vous voyez, et beaucoup d'infrarouges à différentes longueurs d'onde, c'est pour ça notamment que vous avez chaud quand vous êtes au soleil. Donc j'espère maintenant que vous comprenez un peu mieux comment les particules que nous envoie le soleil interagissent avec la matière et ont un impact sur votre vie. Ok, passons maintenant au calcul du bilan d'énergie en lui-même. Bien. Considérons ici que si on met un capteur au-dessus de l'atmosphère, eh bien en fait on va calculer un flux d'énergie d'environ 343 watts par mètre carré en moyenne sur Terre. Alors pour simplifier encore les choses, ici on va dire que ceci représente environ 100%. Okay, on met un capteur, on voit que l'énergie que nous envoie le Soleil correspond à 100% de ce qu'on reçoit. Très bien. En gros, 50% de ces 100% vont en fait arriver à la surface de la Terre sans entrer en relation avec les molécules qui composent l'atmosphère et vont donc être transformées directement en chaleur, en infrarouge thermique, en entrant en relation avec la surface terrestre. Et donc, de l'atmosphère, on va avoir 25% qui va rebondir directement de l'atmosphère vers l'espace, et environ 5% qui va rebondir sur les surfaces blanches, sur la surface de la Terre, et là aussi vont repartir directement vers l'espace. Ça, c'est ce qui va être réfléchi, c'est ce qu'on appelle aussi l'albédo. L'albédo terrestre est à peu près de l'ordre de 30%. Donc 30% de ce que l'on reçoit est renvoyé directement vers l'espace. Alors ici, il manque encore 20%. Eh bien, ces 20% vont entrer en relation avec différentes particules de l'atmosphère, comme je l'ai dit plus tôt, et vont directement être transformées en chaleur au sein de celui-ci, vont directement réchauffer cette atmosphère. Donc si on fait un premier bilan ici, un bilan radiatif du flux d'énergie reçu du Soleil sur Terre, eh bien on a tout simplement cette relation-ci, 100%, ce que l'on reçoit, se subdivise en 50% sur la surface de la Terre, 25% plus 5% qui vont repartir vers l'espace, et 20% qui vont être directement captés, transformés en chaleur dans l'atmosphère. Alors si on met maintenant ce capteur, si on le tourne vers la surface de la Terre, hein, on est sur la surface de la Terre et en moyenne on regarde le flux d'énergie, on voit que celui-ci est d'environ 496 watts par mètre carré. Et là on peut se dire mais c'est bizarre, ça veut dire que la Terre émet plus d'énergie que ce qu'on reçoit du Soleil au sommet de l'atmosphère. Et donc vous allez comprendre effectivement, donc on est de l'ordre ici de 145%, hein, comparé aux 100% de tout à l'heure. Comment est-ce que ça se passe? Donc, la surface de la Terre va émettre sous forme d'énergie thermique majoritairement environ ici 7% directement, bah, ces 145% vont passer, 7% vont être perdus directement sous forme de chaleur vers l'espace. Et le reste va en fait être capté par l'atmosphère. L'atmosphère est en gros est très perméable au rayonnement infrarouge, c'est-à-dire qu'il ne permet pas au ces rayonnements infrarouges de quitter la Terre. En fait, 138%, ici, si on reste dans les valeurs en pourcents, vont être captés directement par l'atmosphère. Il va capter cet infrarouge thermique et il va le réémettre lui aussi dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'une partie va repartir vers l'espace, environ 63% ici. Ça va. Et donc du coup, on va avoir une perte en infrarouge thermique de l'ordre de 70%. Et comme en fait la majeure partie des constituants de notre atmosphère sont bah, situés proches de la surface terrestre, on va avoir ici 95% qui vont donc repartir vers la surface terrestre. Et donc là, on comprend bien un truc. En fait, si on a 145%, si on a les 496 watts par mètre carré au niveau de la surface terrestre, c'est tout simplement parce qu'on a une boucle de rétroaction ici, qu'on appelle l'effet de serre, tout simplement. Parce qu'en fait, ici, la chaleur qu'on a sur Terre va se réémettre vers l'atmosphère, celui-ci va nous renvoyer une partie de la chaleur, et donc c'est pour ça qu'en fait, il fait chaud sur Terre. De manière générale, on a estimé, en gros, que la température moyenne, sans l'atmosphère terrestre, sans le CO2, etc., que l'on a dans l'atmosphère, eh bien, serait de l'ordre de moins 18 degrés. Mais parce qu'on a cette atmosphère qui s'est installée au fur et à mesure des milliers d'années, eh bien, en fait, on a cet effet de serre qui s'est installé et qui fait en sorte qu'on a globalement sur Terre une température de l'ordre de 15 degrés Celsius.
Alors, si on fait maintenant le bilan de ce qui est absorbé ou émis par le sol, eh bien donc là du coup, le deuxième bilan est celui-ci. 145, c'est bien les 95 plus les 50 que l'on recevait directement du soleil qui réchauffait la surface terrestre. Si on fait maintenant le bilan du flux d'énergie absorbé et réémis par l'atmosphère, c'est très simple. Ce qui est absorbé, donc ce sont les 138 qui sont émis par la surface terrestre, plus les 20 qui sont captés directement par l'atmosphère, donc de par le rayonnement solaire. Et donc ça fait 158. Et donc ça va être réémis dans toutes les directions. 63 en perte vers l'espace et 95 de nouveau renvoyés vers la surface terrestre. Et enfin, si on fait le bilan du flux d'énergie qui est renvoyé vers l'espace, c'est tout simple. On a ces 25 plus 5% qui constituent l'albédo, les 30%, plus les 7 et 63, ces pertes en infrarouge thermique, qui constituent bien les 100%. Et donc on arrive à un niveau d'équilibre ici, vous le comprenez maintenant, naturellement sur Terre, un niveau d'équilibre entre ces différents flux énergétiques. Et donc c'est pour ça qu'ici, la Terre ne perd pas d'énergie, hein, notre climat ne se refroidit pas au fur et à mesure, mais donc cet équilibre est bien maintenu par l'atmosphère, grâce à l'atmosphère. Et donc on comprend bien aussi que si on ajoute du CO2, si on ajoute du méthane, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien l'effet de serre, lui, va augmenter. Et du coup, ça va avoir comme impact de faire diminuer les proportions qui partent vers l'espace, augmenter les proportions qui sont renvoyées vers la Terre, et donc augmenter la température tout simplement de la surface de la Terre, ce qui nous amène tout doucement au changement climatique. Donc voilà, j'espère que maintenant, grâce à cette version simplifiée, on va dire, du bilan radiatif terrestre, eh bien, vous comprenez mieux l'interaction entre les différents éléments. Et ici, voilà, ce graphique que l'on a vu au tout début de la vidéo, eh bien, après, on peut le détailler un peu plus. On peut comprendre qu'une partie va être absorbée par les nuages, une partie va être réfléchie par les nuages, etc. Et donc, voilà, qu'il y a des choses encore en plus qu'on doit considérer, comme l'évapotranspiration, etc. Mais donc voilà, globalement, je trouve que c'est bien si on comprend, si on mélange tout ce qui constitue notre atmosphère, les nuages et les particules, les autres particules comme le CO2, l'oxygène, etc. Et en fait, qu'on simplifie un peu plus ce schéma d'énergie solaire. Alors, ça nous permet aussi de comprendre aussi et de faire le lien entre la couverture nuageuse qu'il y a et la température que l'on ressent à la surface, à la surface terrestre. En effet, en hiver, quand on a des nuages qui s'installent au-dessus de nos têtes, eh bien en fait la température va être globalement un peu plus chaude. On est aux alentours des 5, 6, 7 degrés parfois. Ça va? Alors que quand en fait on n'a pas de couverture nuageuse, eh bien la chaleur qui va être réémise par la Terre en fait, eh bien ne va pas être captée. Et donc c'est pour ça qu'on a des températures bien beaucoup plus froides, parfois en dessous de 0 degré. Donc ici comme sur notre graphique à moins 4 degrés Celsius. Donc là, la composition de notre atmosphère permet en fait de garder ou pas cette température à la surface du sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, un tout grand merci pour votre attention. Et donc, pour les enseignants ici, si vous en avez besoin, je vous ai mis une petite version en noir et blanc pour vos photocopies. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran et l'imprimer pour vos élèves. Voilà, encore un tout grand merci et je vous dis à la prochaine.